Okay, recording's off. Yeah. No, we still have 1 minute. To squirt it. So. Bien, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent pour notre séance de conseil. Welcome and thank you for joining us for our ordinary sitting of council, March 9th. Delayed by 1 week because of the March break. So, je pense, sans retarder, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par le conseiller Pierre Guenard, et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit par le présent adopté. Question. Je vais peut-être juste demander que vous levez votre main parce que dire à haute voix oui, parce que avec le nombre de visages, c'est difficile de vérifier que vous avez voté. Alors, vous êtes en faveur? En faveur. En faveur. En faveur. Merci. Merci. Alors, je vais commencer avec le rapport du maire et j'ai plusieurs items à vous partager. Pour commencer, les vaccins, maintenant, c'est pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Alors, nées à partir de 1900, c'était marqué ici, 46 et avant. Alors, les informations sont sur le site web du CISO. On va mettre le lien sur notre site web. Et c'est, on vous encourage de consulter québec.ca, vaccin COVID. Alors, l'information va être sur le site de Chelsea. Et le lieu, c'est au centre communautaire de Wakefield pour le MRC des collines. Mais comme on est dans une situation périurbaine, les résidents de Chelsea sont aussi... accepter, ils ont la possibilité d'aller aussi au palais de congrès à Gatineau. J'aimerais juste mentionner avec le conseiller de district 5, M. Leduc, que la coopération d'habitation de Chelsea est fière que la construction a commencé pour la maison pour les aînés à Farm Point, derrière le centre communautaire. Alors, c'est des bonnes nouvelles, puis on espère qu'on continue pour ouvrir la maison peut-être en 2021, au plus tard le printemps 22. Une autre bonne nouvelle, la municipalité de Chelsea a reçu presque 1,6 million de dollars en subvention pour la voie verte Chelsea, pour le sentier communautaire. Chelsea was thrilled to receive almost $1.6 million in a grant from the MTQ, the Ministry of Transportation, and our M&A, Mr. Bussière, made the announcement. So thank you to Mr. Bussière for his support. And it'll go towards safety at intersections, signage, the last layer of the... on the trail as well, and guardrails where there might be a dangerous situation. Il y avait aussi des bonnes nouvelles où la forêt Chelsea Forest a réussi de ramasser 850 000 dollars des familles et des individus de Chelsea pour acheter 57 acres. Alors, merci à
Acre à Acre qui a initié ce projet. Alors, ce n'est pas des dons corporatifs, c'est les dons individuels et familiales. Alors, chapeau, et c'est un lieu qui va être pour conservation, pour les sentiers, la récréation communautaire. Alors, félicitations et merci beaucoup. La municipalité a fourni 20 000 pour aider des frais administratifs et pour couvrir les taxes de mutation. Il y a un autre projet, c'est de déménager la station, la gare, excuse, de train de Cascade. It's the last train station that is remaining in Chelsea. And so the owner has donated it, but les amis de Voie Verte Chelsea have undertaken a fundraising project, and they have over $25,000 to go towards moving the train station. And Councillor McGuire has been in touch with residents. It will be put temporarily at the Mill Road station site, and we will be continuing consultations with residents in that area. But it needs to be moved, and it needed to be moved on a very strict timeline. J'aimerais aussi mentionner que le 20 février, et peut-être vous avez entendu cela dans les médias, le comité consultatif a trouvé en faveur de Chelsea, la municipalité de Chelsea, et ils ont recommandé à l'unanimité que le CCN devrait payer presque 600 000 $ en taxes non payées, des enlieux de taxes. Alors, la municipalité, le conseil a émis un communiqué et maintenant, il y a un groupe de citoyens qui continue de mettre la pression dans les médias pour que le CCN nous revienne avec une réponse. Alors, on sait que la ville de Gatineau a eu une recommandation positive aussi du comité consultatif. Ça a pris un an avant que le CCN les revienne. Alors, nous autres, on ne veut pas attendre un an pour que le CCN nous revienne avec un oui ou un non. Alors, le conseil continue de mettre la pression et on demande à nos députés de nous appuyer dans ces démarches. Et aussi, on demande des rencontres avec nos députés. J'aimerais mentionner qu'il y a un dépliant, et je peux vous le montrer, c'est « Créons le Chelsea de demain » et « Let's build the Chelsea of tomorrow ». C'est un dépliant qui a été produit par notre personnel pour expliquer le plan d'urbanisme et la prochaine étape dans le sondage, le prochain sondage. So our staff have been working on this brochure that explains the concepts and what you'll be asked to comment on in the next survey, which will be starting this week. So this brochure will be on all of our platforms, but it'll also be mailed to each household this week. It'll be a reference document for you as you fill in and work with the survey. Ce soir, il y a un dépôt pour le plan d'action de développement durable. Tonight, there's a tabling of the update on the action plan on sustainable development. So I invite you to consult that in the weeks and months to come. And we will be beginning to frame the consultations for the second action plan of sustainable development, which will be adopted in 2022. Il y a aussi, sur l'ordre du jour de ce soir, le Fonds municipal vert, la politique qui va encadrer ce fonds est devant le conseil pour adoption. J'avais juste quelques autres points. Il y a des questionnements sur le règlement pour les quais. Et en ce moment,
le personnel a colligé, a collecté toutes les commentaires du public. So we will study all the input that's been received by from the public, but at this point, the council is not taking a position on the DOC bylaw. That will be studied in the coming months. The council will have a no tolerance moratorium, so there will not be any DOC permit given for municipal land, DOCs on municipal land, until this new law, DOC law, bylaw is adopted. And therefore no immediate action will be taken this summer until the DOC bylaw is adopted. Municipal staff will start their examination of the shoreline and the docks on private land only. Alors, pour la question pour l'accès à la rivière, la consultation est fermée. Le personnel va faire un rapport au conseil municipal. Et il y aura une étude de faisabilité cet été. Il n'y aura pas de construction, pas d'aménagement, probablement avant l'été de 2022, parce que ça prend des études de faisabilité, mais aussi il y a des études écologiques qui doivent être soumises au ministère de l'Environnement. Alors, c'est un processus qui a commencé, mais il y aura encore beaucoup d'étapes, alors, et encore d'autres occasion de consulter les résidents. Mais en ce moment, on ne prévoit pas des aménagements d'accès ou de quais nécessairement cet été. Alors, je pense que c'est un peu tous mes points pour le rapport du maire. Et finalement, il y avait un communiqué de notre personnel que le chemin Cross Loop va être fermé dès demain à cause de la pluie qui est annoncée et les conditions du chemin. Alors, l'accès au stationnement de CCN pour les raquettes va être non accessible. Et cette décision s'était prise avec le personnel de la CCN. Alors, cette information va être sur notre site web aussi. Alors, je pense que c'est tout et on peut commencer avec la période des questions. Alors, on a reçu quelques questions et qu'est-ce que je vais mentionner que le chat ne sera pas actif parce que dans une période de questions en personne, on a des questions, des réponses, mais après que j'ai donné des réponses à des questions qu'on a reçues par courriel, je vais demander si vous avez les personnes qui n'ont pas envoyé une question et peuvent lever leur main et je vais demander à M. McFall de gérer les questions. Alors, I will read the question in the language that it was submitted, and I can give a summary in English or French alternatively. So the first one is, it is my understanding that the $13 million in the boring bylaw for River Road, that the bids have not yet been requested. There'll be a bidding process and council will vote again when the contract is awarded. Would you please explain the timeline, considering we're already in March? How is this construction project supposed to begin in the spring? So yes, the borrowing bylaw for Chemin de la Rivière was adopted for a value of $13,240,000. It's been submitted to the ministry for approval. The amount is based on the estimate that was provided by our engineering firm. We should receive final plans and specifications this month, so mid-March, and proceed with the tendering process in April. The work
depending on the date of awarding the contract, would begin early this summer. The next question. We've heard varying responses regarding when the DOC bylaw will be tabled at council. In light of the proposals and comments regarding access to the water survey, could you clarify the relationship between the survey and the DOC bylaw and identify how and when the municipality will proceed with the tabling of the bylaw? I mentioned a little bit in the my report. So I'll read you the answer that has been given by staff and that council supports. And it will be in writing on the website shortly after this this meeting. So the draft bylaw regarding docks installed on public land will be reviewed by council. The input received from the public will be certainly reviewed by all by council, but we have not taken any position on whether it will allow private docks on municipal land or in what location. As soon as the bylaw is adopted, municipal inspectors will visit each property and dock and analyze each situation according to the provisions of the new dock bylaw. It's only at that time the municipal staff will be able to establish if the dock is in compliance with the new bylaw. As mentioned, in the meantime, the council intends to adopt a no tolerance moratorium prohibiting any delivery of a dock permit on municipal land until the new bylaw is adopted. No immediate action will be taken by the municipal staff this spring or summer to remove docks or block access to docks on municipal land unless the dock is found to be a security risk. This spring and summer, staff will continue their regular inspections of privately owned docks located on private properties. So with the access to the river, the staff are preparing a report from the results of the public consultation, and it will be submitted to council in April or May for our consideration. Council will select the most promising sites at that time, which will then be the subject of a feasibility study this summer. Feasibility studies will help us determine whether the sites are safe and what structures could be required at each site and the costs of those structures. The completed feasibility studies will be submitted to council for consideration. And it's only at that time that the best sites will be selected and a budget given for their design and construction. The municipality will be required to conduct an ecological study on the selected sites under the Environmental Quality Act and obtain a certificate of authorization from the Ministry of the Environment before any work can begin. So given the time required to complete all these steps, any river access will likely be built only in summer of 2022. The link between DOCS bylaw and the proposed project of community access. Both projects relate to the municipal land occupied by the community trail and how residents access the Gatineau River. The first, the dock bylaw, concerns private docks and private access to the river installed along the community trail without municipal authorization at this point. The second, the community access to the river, is a project that proposes the installation of public access to the river via the community trail with the municipality's authorization to provide all Chelsea residents access to the river. That was a long answer to the question, though. But as I said, it will be in writing on the website. When will the results of the consultations on the master plan be shared with the public at large, including the proposed development and required changes to bylaws? And the follow-up question, when will the public consultations take place
And to what degree are residents able to say no to some of the proposed plans? What's the formal process for residents to request changes to zoning bylaws different from those proposed? So, again, this is a very long answer. And I would like you to encourage you to consult the website for the details. But at the end of the online public consultation, the consultant will prepare a summary report of all the comments received. And this report will be submitted to the municipal council. According to the current schedule, this will be at the regular council session in May. Afterwards, a copy of this summary, as well as the draft master plan, will be on our website and open to further public comment. The follow-up question, the answer is that the four main steps of the approval process are outlined on our website, dedicated to this project. This month, they're completing the draft master plan, and from March to July, working on the draft planning bylaws. In August, the final versions of the master plan and planning bylaws will be submitted to council for a vote and transfer to the MRC. If residents have any suggestions, they have the opportunity to submit their ideas anytime at plan@chelsea.ca. We recommend that you send those in before July 1st. All ideas, recommendations, and comments will be included in the information package sent to council. In addition to the dedicated email and website, the municipality has been seeking residents' input since the beginning of the process. There have been workshops and a survey for the residents' vision for the next 20 years. They've been compiled in a report and posted on our website already. The conclusions of the vision exercise allowed us to prepare the preliminary land use map, policy directives, and objectives proposed in the upcoming draft master plan. They've been subject to several workshops already and presented to all residents in an online public consultation starting March tomorrow. And every household in Chelsea will receive an invitation and a reference guide on how to participate. I've mentioned those other dates. It'd be presented to council in May, the draft. And again, you'll have a chance to continue to submit your ideas until July. So that's for the master plan. As I said, this is quite a detailed answer, and it will be available. Another question, tonight, another $500,000 is going to be spent for corrective measures to the Meredith Center. Since its construction, more than $1 million has been spent to rebuild the wall that collapsed in 2013. We've been told that all these expenditures would be covered by insurance by the companies that did the work. The question, how much was recovered from insurance companies and how much was repaid by the construction companies and the architect? The answer, an amount of $1,196,744 was reimbursed by the insurer. That's the work of reconstruction of the wall, decontamination, and the architect. We're still in legal proceedings for the construction defects and for the mold problems. So, another question on the river access survey. Many residents made proposals and suggestions in the comments section in the survey, as well as formal proposals, including a petition, a proposal signed by 80 Ward 5 residents, proposing a step back from looking at river access to explore water access for safe swimming for residents. So the question, you've indicated that a feasibility study would be the next step after the survey closed. Can you give us an indication of the scope of that study and the objective criteria against which the proposed solutions can be evaluated and
follow-up question. Will it include the reference to the many comments or the suggestions received from residents, such as the question of access to safe water for recreational purposes rather than solely the access to the river? So the answer, the sites chosen will be selected with the safety of Chelsea residents as the number one criterion, and with the objective of minimizing the risk of creating nuisances that could have an impact on nearby homes. So council is seeking its sites where swimming will be safe, both in terms of access to the site and what's under the water, because we know there's a lot of deadheads. We'll look for sites that are at a distance from existing homes as much as possible. The plan to have no new parking spaces on nearby roads. The trail committee is already looking at parking issues and solutions. That bathing swimming sites can be developed with minimal intervention in the natural environment, with perhaps a bench, picnic table, garbage can. There may be stairs as access to the water. The sites will be developed with and for Chelsea residents, but we cannot prohibit access by people who don't live in Chelsea, as we use other sites, other infrastructure in other municipalities too. The municipality will work with community groups and take into consideration their suggestions regarding the development of sites. The swimming sites will be accessible from the community trail and therefore not necessarily close to roads. At the same time, there needs to be access should there be emergency vehicles that are required. So the follow-up question, beyond access to the river and to look at access to safe water for recreational purposes. While that's an important question, this council has undertaken to look at access to the Gatineau River from the community trail. The other questions of access and recreational swimming will likely be something that the next council will look at in after the November elections of this year. So the mandate that this council gave staff to explore was access to the Gatineau River from the community trail, and that will continue to be our focus. And that being said, the Meredith Center does have a project that, and consultations will happen for the possibility of a swimming pool in proximity to the Meredith Center. So that was for the river access. La vitesse sur la route 105. La question, c'était, il y a une résolution sur l'ordre du jour ce soir. Je suis curieux de comprendre pourquoi le flux de véhicules à prévoir à l'intersection de la route 105 et du développement Highlands rend cette mesure obligatoire pour protéger les usagers, alors que nombreuses autres intersections avec la 105 ont des flux de circulation supérieurs. Alors, la réponse de notre directeur des travaux publics. Lorsque les documents étaient soumis au département de travaux publics pour le projet de développement Highlands en proximité du club Larimac, une étude de faisabilité a été présentée montrant un problème de sécurité concernant les distances de visibilité. Pour permettre l'aménagement en toute sécurité du nouvel accès à la route 105, une réduction de la vitesse était essentielle. À l'époque, le service de travaux publics a demandé au promoteur de réaliser une étude détaillée de la circulation afin de fournir des recommandations formelles sur la situation. Cette étude a confirmé les mêmes problèmes de sécurité que la firme d'ingénierie qui a conçu les plans pour le projet. Alors, ils avaient identifié lors de leur analyse préliminaire.
Le projet n'est conforme qu'à la suite d'une réduction de la vitesse sur la route 105 afin de réduire les distances de visibilité requises par les normes du MTQ. De plus, l'étude recommande également de réduire la vitesse sur toute la route 105 entre le nouveau projet de Highlands et Juniper, le chemin Juniper. Cependant, pour permettre la réalisation du projet, il faut commencer par une tronçon d'environ 5 mètres de part et d'autre de l'entrée de la nouvelle route. Alors, c'est la réponse pour la question de la vitesse, changement de vitesse proposé ce soir. Il y a une autre question pour la question de changement de zonage dans le centre-village pour le projet de la micro-distillerie. Alors, est-ce que la municipalité remplit l'aspect légal en lien avec le changement de zonage en publiant l'avis public uniquement sur le site web? Alors, oui, suite à l'adoption de la loi 122, qui n'oblige plus la publication des avis dans les journaux et l'ajout de l'article 433 au Code municipal en 2018, le Conseil a adopté un règlement établissant que les avis publics sont maintenant publiés sur le site web uniquement. Les avis publics pour les divers règlements, demandes d'irrigation mineure et des démolitions sont publiés directement sur la page d'accueil du site web de la municipalité. Et l'autre question, concernant les délais raisonnables, quel était le délai entre la publication et l'avis de la rencontre publique? Encore conformément à l'article 133 de la loi, un avis public était publié le 17 février afin de demander la tenue d'un registre. Encore en conformité avec la loi, les citoyens avaient 8 jours pour déposer une demande de tenue de registre. Les dates avaient été choisies de façon à s'assurer que la date limite ne soit pas durant la semaine de relâche. Alors, il n'y a pas de délai entre la publication de l'avis et la tenue de la séance du conseil. Alors, tous les avis étaient faits conforme à la loi. Alors, ceci sont les questions qu'on avait reçues du public. Et j'avais reçu une cet après-midi concernant la question de, excuse-moi, le 5G et si je peux juste l'ouvrir. La question, c'est est-ce qu'on va préconiser l'Internet à haute vitesse par les fibres ou les connexions Internet et non pas sans fil? Alors, en ce moment, toutes nos réponses, toutes nos discussions sont avec les compagnies qui sont avec les connexions fil et non pas sans fil. Alors, il y avait une question de suivi. Will the Chelsea municipality join, actively support and or advertise the initiative to measure electoral smog in and around Chelsea to build public awareness around this issue and to support Chelsea as an environmentally friendly community pursuing sustainability goals? I just received this today, and what I will answer is that we will ask staff to look into that question, and I'm not in a position to answer that this evening. We do ask that you send in your questions by Monday morning so that staff can do some research and provide us with answers to your questions for the council meeting. So those would be all of the questions that we received. Mr. McFall, you have
Marguerite, that was your question that I just answered. So we will go to other people who have not asked the question. So I'm not sure who J.F. Boucher is. Oui, bonjour. C'est Jean-François Boucher. Oui. Je suis un résident du quartier Méridite. Puis j'ai remarqué là, que dans l'ordre du jour, du moins aujourd'hui, là, j'ai remarqué que je sais qu'il y a un règlement là, qui va. Il y a un dépôt de règlement, le 11-85-21, par rapport à la limite de vitesse sur un tronçon oui. Du chemin Cecil là, à la hauteur du parc municipal et des terrains de soccer. Oui. Puis là, je sais qu'on parle de la limite de vitesse. Puis je sais qu'au coin de la traverse et Cecil, il y a une mesure d'atténuation de vitesse là, avec une réduction là, I guess, de la voie. Là. Puis, mais je me demandais s'il y avait l'intention aussi de mettre un stop pour les personnes qui viennent du centre Méridite qui s'en vont vers le chemin au Chelsea. Parce que moi, j'habite là, j'ai deux très jeunes enfants. Puis évidemment, quand on passe, les gens, ne respectent pas la mesure d'atténuation de vitesse. Là. Même si la voie se réduit, les gens roulent quand même rapidement sur cette section-là. Fait que, bien que c'est bon qu'il y ait une limitation de vitesse proposée, j'ai comme l'impression qu'il faudrait qu'on aille peut-être un petit peu plus loin là, en mettant un stop ou des dos down, quelque chose comme ça. Là. Est-ce que, comme Mr. McGuire est président du le comité de travaux publics et infrastructures, ça pourrait être étudié ou demandé au comité, au département de regarder cette proposition? Je ne sais pas si ça a déjà été discuté lors du comité, Mr. McGuire. Non, en général, les stops ne sont pas préconisés comme mesure d'atténuation de vitesse. Mais on pourra en discuter plus au long. Si vous voulez venir au prochain comité, le personnel va être là et pourra expliquer comment on attaque ce genre de situation-là. Ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va continuer. Margaret, we dealt with your question and your sub-question, and to be consistent, residents are allowed to ask one question and a follow-up question. So I did answer your two questions, and unfortunately, I only received it at 4:30 this afternoon. So we will get back to you. As I said, we didn't have a chance to ask staff even to look into your question about the research. So we'll follow up. Thank you. Alors, ça va pour la période de questions. Je ne vois pas d'autres mains. Mm-hmm. Alors. Mayor Green? I just have a confirmation? It's not a question. It's Jennifer Hare? Yes. Yes. It's just, I had sent last week, it was a proposal from some citizens of Ward 5, and we had asked that it be tabled at council. And it was a proposal for, based on the survey, but access to water as opposed to access to the Gatineau River. And I just wanted to know if it was tabled. That was my request. And I had received an email this afternoon saying that request had been put through, but I just wanted to ensure, and it had the 80 signatures on it. I just wanted to know if you had. Okay, so that would be something to, will council agree for the, well, we'll table this and we'll add it to the agenda. Okay, thank you. I just wanted to make sure that was. That would be 5J. Okay, thank you. So the tabling of the request. Mr. McFall received that, I believe. Yes, I did. And Mayor Green, may I just ask a clarification? Mm-hmm. Okay, so I understand that with the road construction, that there are further ecological studies that are to take place, because
As you probably are aware, or may not be aware, I don't know, but I submitted an access to information request some time ago last fall, asking to see the wetland maps, particularly in advance of the construction, and I was denied flat out. So I'm wondering if the borrowing bylaw has been tabled. Are we now able to see the ecological studies that have been done? I'll have to ask staff. I'm not aware of that. So we'll follow up on that, Mr. McFall, if you could take note. And of course, all of that, those environmental requirements are being followed. And that's what has pushed a lot of the costs up, their new requirements since January. So with respect to the wetlands, the map, I wasn't aware that it wasn't available, and we'll follow up with you. Okay, I appreciate that. Thank you. Okay. I've got two computers. Alors, adoption de des procès-verbaux, le procès-verbal. Alors, c'est proposé par le conseiller Kerman, appuyé par le conseiller Maguire, et résolu que le procès verbal de la session ordinaire du 2 février 2021 soit et par la présente adopté. Est-ce que vous avez des corrections, questions en faveur? Adopté. Maintenant, les dépôts. Alors, the list of accounts paid from January 19th to February 8th, 2021, in the amount of $543,420.27. Les états financiers, décembre 2020. Avez-vous des questions? No. Yes. I just want to have one question. Le fait que c'est écrit non régularisé, normalement, c'est pas écrit ça sur les documents? Pour le dépôt, lequel? L'état oui? financier, l'état de la situation financière, le 5B. Is that just a draft or watermark that was left there? We got okay. it at the last minute, so I'll double check. Mr. McFall, perhaps you could check. Okay. Noted. Okay. Thanks for the question. The amendment, amendement budgétaire mensuel décembre 2020, le suite, janvier 2021. Question. Okay. The tabling of the December 17th, 2020 minute of the advisory committee meeting on health services. Commentaire? Le dépôt du procès verbal des rencontres du comité consultatif des finances et suivi budgétaire 7 décembre et 18 janvier. Question? The tabling of the January. Following sick. 13th, 2021 minutes of the Planning and Sustainable Development Advisory Committee meeting. Le dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux publics et des infrastructures du 22 janvier 2021. The tabling of the 2018 to 2021 updated Sustainable Development Action Plan. And as I mentioned in my earlier comments, this Sustainable Development Action Plan finishes in 2021, and we will be putting in place the start of the consultation for the 2022 Sustainable Development Action Plan. le dépôt du rapport d'activité du trésorier des élections 2019.
Alors, c'était l'élection partielle où Madame Chen était élue. Pardon, Carol, j'avais une question sur 5H, le dépôt. Oh, pour le... Oui. Juste pour clarifier, les actions qui sont en bleu. Oui. Qu'est-ce qui va arriver avec ces actions-là? What's going to happen moving forward when we kind of reevaluate and we move on to the next plan? Well, they're the ones that are in green are done. Blue are in en voie de d'être fait. No. Pardon? Ils sont à venir sur en bleu. So that's this year. They'll be done this year. They will be completed this year. So the ones in yellow sont en cours. Ils vont compléter cette année aussi. Puis en bleu aussi, c'est ça? So this action plan is for 20, just so yeah. The end of 2021. Mm-hmm. So it's still valid and the staff are working on that. So le comité qui travaille sur ça sont les directeurs de tous les départements. Il va commencer de mettre en place, comme j'ai dit, but on a parlé de travailler avec le credo pour une... base préliminaire pour les consultations pour une deuxième version pour le plan d'action. Alors, mais tout au cours de 2021, il y aura encore des actions. Mais on voulait soumettre le plan d'action de développement durable avec une mise à jour pour montrer, il y avait eu beaucoup de questions sur c'était quoi les actions qui étaient déjà prises dans ce plan d'action. OK. Ça va? Jay, the tabling of the letter petition for a question of access to safe water for swimming and not just on the Gatineau River. And I believe, Mr. McCall, you have that and you can put the precise... title on that. Yes, we'll do. Thank you. Alors, on continue pour les contrats. Octroi du contrat pour le balai mécanique. Alors, le service des travaux publics et des infrastructures désire effectuer la location d'un balai mécanique sans opérateur pour contrôler les opérations de nettoyage. Et la durée minimale pour la location d'un balai est 3 mois et les besoins de la municipalité sont approximativement 2 mois. Alors, pour réaliser la location, la municipalité de La Pêche procédera à la location du troisième mois. Alors, le service des travaux publics a procédé à une demande de prix pour la location de ce balai mécanique auprès de 4 fournisseurs. On a eu seulement une soumission au montant de 38 016,48 sous. Alors, c'est conforme est recommandé par le service et les coûts seront payés à même le budget de fonctionnement et la municipalité de la pêche sera facturée pour la période de location utilisée, incluant le transport, l'entretien et les taxes. En conséquence, c'est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Jean-Paul Leduc, et résolu que le conseil octroie le contrat de location d'un balai mécanique pour une période de 3 mois au montant de 38 016,48 sous, incluant les taxes à la compagnie Equipment GKL Inc. Question. C'est ça. Donc, la municipalité, le coût réel, c'est environ 25 000 $ puisque l'autre 13 000 $ sera assumé par la municipalité de La Pêche. Sauf que, étant donné que c'est nous qui faisons le contrat, ben c'est nous qui devons mettre le gros montant, dans le fond, sur notre résolution. C'est mais bien ça? C'est nos besoins sont pour 2 mois. Oui. Et la limite, c'est
c'est 3 mois. Alors, la pêche est intéressée pour avoir le troisième mois. Oui. Simon? Et la date de location débute quand exactement? Ce n'est pas marqué dans la résolution, mais on peut demander que M. McFall nous revienne avec ça. Mais oui, je sais, c'était un enjeu quand on attendait souvent pour l'NTQ pour faire les chemins ou pour une compagnie qui venait trop tard dans la saison. Alors, En fait, c'est la raison pour laquelle je pose cette question-là. Je veux m'assurer qu'on ne soit pas non plus destiné à attendre jusqu'en juillet parce qu'on n'arrive pas à louer la machine. Alors, si c'est en avril, à ce moment-là, je supporte cette résolution-là, mais si c'est plus tard dans l'année, à ce moment-là, j'estime qu'il n'y a pas de raison là, d'aller de l'avant nécessairement avec ça. Mais exactement, c'est pour cette raison que la résolution est ici au mois de mars. Alors, c'est l'idée d'être prêt pour avril. Balayer les pistes cyclables aussi. OK, merci. D'autres questions? Alors, en faveur? En faveur. En faveur. Merci. Octroi de contrat pour l'achat d'un tracteur Kubota avec équipement à même l'excédent affecté. Alors, on avait mis dans notre PTI 80,000 dollars. Carol, did you forget B? Sorry, I just skipped it. Yeah. It's hard going on these two computers. Okay. Octroi du contrat pour l'achat d'une remorque à bascule galvanisée. Dans notre PTI, on avait mis 12,000 dollars pour cet achat. On avait demandé des prix auprès de 5 fournisseurs. Et on a reçu 5 entre 12,587 jusqu'à 16,195. Alors, le service de travaux publics a fait l'analyse et il recommande la compagnie 894-1211 Canada Inc. est conforme et recommandée. Et le prix, l'achat soumise, c'est un montant net de 12,597,45. C'est un dépassement budgétaire de 597 $. Alors, ça sera financé par les fonds de roulement. Alors, en conséquence, c'est proposé par le conseiller. Propose. Pas appuyé par le conseiller. Okay. Et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat d'une remorque à bascule galvanisée au montant de 13,795 $, incluant les taxes à la compagnie 99. 41-211 Canada Inc. Est-ce qu'on a perdu Kay? Je pense que oui. Oui, elle devait s'absenter. Ok. C'est son Internet. Ok, merci. Raison externe. Ok. Octroi du contrat pour l'achat d'un tracteur. Kubota. Excuse-moi, j'avais sauté. Alors, on avait 80 000 prévus dans le PTI. On a fait une demande de prix auprès de 3 concessionnaires. On a reçu 2 prix, 2 soumissions. Sont tous les deux en bas de la 80 000. La soumission déposée par la compagnie Carrière et Poirier Equipment Limited est conforme et recommandée. Alors, ça sera payé par l'excédent affecté. En conséquence, il est proposé par Jean-Paul Duc et par Pierre Guenard et résolu
que le conseil octroie le contrat pour l'achat du tracteur Kubota avec équipement au montant de 66 357,56 et taxe à carrière et pour les équipements. Question. En faveur. En faveur. Merci. Octroi pour le contrat pour le vidange, transport et la disposition des boues de fosse septique et la retention pour 2021-2022. Alors, le contrat est échoué. Le service de travaux publics et des infrastructures a procédé à un appel d'offres sur le SRAO. Et deux soumissions étaient reçues. Alors, le service de travaux publics a fait l'analyse des soumissions et recommande la soumission de Beauregard Environnement Limité et conforme et recommandée à 566 109,13 sous. Alors, il est proposé par le conseiller. McGuire, appuyé par le conseil Kitchen, est résolu que le conseil octroie le contrat pour le vidange, le transport et les dispositions des boues de fosse septique et les bassins de retention pour 2021-2022 au montant de 630 914,61, incluant les taxes à Beauregard Environment Limited. Adopté. En faveur. Adopté. Alors, j'avais demandé le prix sur nos comptes de taxes. On paye 147 $ par unité pour les vidanges des flots septiques et ça va être une hausse sur nos comptes de taxes de presque 20 $ avec ce contrat qui est octroyé. L'achat d'une camionnette. J'aurais une question, Madame Green. Oui, excuse-moi. Ben c'est ça, c'est que là, si, exemple, ça nous coûte, on va dire, 175 $ par année pour une vidange aux 2 ans, qui revient à 350 $ la vidange. Si les gens se mettent par secteur et qu'ils font vider leur fosse septique, mettons, avec un achat de masse là, ou un contrat de secteur, est-ce que le prix concurrentiel, dans le fond, local, serait en deçà de 160, de 350 $ aux 2 ans pour la faire vider? Oui, moi, c'est ça que je me questionne. Là. C'est parce que je sais qu'on a notre système d'inspection et tout ça. C'est vraiment favorable parce qu'au cours des années, nos inspecteurs ont été capables de déceler certaines infrastructures qui coulaient, dans le fond, dans la nature et qui étaient nocives. Donc, on a été capable de remédier à ça. Ça, c'est fantastique. Mais là, moi, c'est juste au niveau financier. Vider une fosse septique pour vider une fosse septique, est-ce qu'on est quand même en deçà du prix ou on est au-dessus du prix de la concurrence présentement si j'appelle, moi, un contracteur demain pour faire vider la mienne? Oui, mais c'est un prix qui c'est moins bas, plus bas parce que c'est à l'échelle de toute la municipalité. Et toute la municipalité, chacune des maisons, il y a cette tarification et on n'a pas le choix de ne pas faire partie de ce système. Alors, chacune des maisons va recevoir cela. Ce n'est pas une question qu'un secteur va sortir seul pour faire ça. Alors, ouais, non, moi, ma question, c'est le coût, là. C'est exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un chalet à le Pontiac, puis je veux faire vider ma fosse septique. Est-ce que ça va me coûter moins de 350 $? Mais c'est. C'est ça ma question. C'est parce que là, ça vous dites que présentement, ça nous coûte environ 140 quelques dollars, plus 25 $. Mais
on arrive proche de 175. Fait que rough 175 ben, fois 2, parce que là, c'est aux 2 ans qu'on fait vider nos cours sceptiques. C'est 147 fois 2. Et c'était le contrat qui était chu. Et maintenant, ça va être 20 $ de plus par année pour 2 ans. Alors, on peut demander à M. McFall de demander aux travaux publics de nous revenir, mais je n'ai pas cette réponse. Okay. Parce que rough, ça, on arrive proche de 350. Mais OK. Parfait, merci. Pas d'autres questions? Merci. Octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette à même l'accident affecté. Alors, on avait dans notre PTI un montant de 50 000. On a fait le service de travaux publics, a fait une demande auprès de 3 concessionnaires. On a reçu 2 soumissions. Ils ont fait l'analyse des soumissions et la soumission déposée par la compagnie Carl Ford est conforme recommandée. C'est un montant de 55 900 $ et taxes incluses. Alors, c'est un montant net de 51 044 $15. Un dépassement budgétaire de 1 044 $15. Alors, ce sera payé par l'accident affecté et c'est disponible pour combler le paiement de dépassement budgétaire. En conséquence, il est proposé par Jean-Paul Leduc, appuyé par Greg McGuire, et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat de la camionnette au montant de 55 900 $, incluant les taxes à Carl Ford. Oui. Question. It's probably a typo under the second one. It's probably not 13. Yeah. Probably 53. No, Christine resent that because it's 52,568 and 29. So it was a typo. So I've asked them to actually, because in our PTI, we put an amount before taxes. And often what we get are included. So I wanted to show that, and so there was a mistake. So okay. Second, it's not 13,753, it's 52,568. Okay. Octroi du contrat pour les travaux. No, you have to vote on that one? I thought we did. Oh, that was just a question? No. Okay. No, it was a question. Okay, sorry. En faveur? En faveur. Octroi du contrat pour les travaux correctifs au centre Meredith. Alors, dans notre PTI, on avait un montant de 390 000 pour ces travaux. Ils ont fait un appel d'offres sur la SRAO et 3 soumissions étaient reçues. Alors, il y a un grand écart dans les montants. Le service de travaux publics a procédé à l'analyse des soumissions et recommande la compagnie Sanosil Canada Inc. au montant de 457 830 $45, incluant les taxes pour les travaux correctifs au St. Meredith. Alors, c'est un dépassement budgétaire de 8 200 $ et ce sera remboursé à l'excédent non affecté. Alors, en conséquence, il est proposé par Pierre Ganald, appuyé par Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil octroie le contrat pour les travaux correctifs au centre Meredith d'un montant de 457 830 $45, incluant la taxe à Sanosil Canada Inc. Question. Kim, and then Pierre.
We probably don't know why the prices are so much higher, but it's a 65% increase from like the one that where it's being proposed to accept to the second one. Mm-hmm. Are those questions that we ask or information we can get? I'm just really surprised. If I may, I don't have an answer for you. We can ask. So I would say maybe not for this one specifically, but in the future when we have bids that are so far apart, mm-hmm. it would be just interesting to see, like to ensure that the work is also done correctly, you know, how these companies can come in so much under the others. Mm-hmm. Again, I'm not familiar with this type of bidding or process. It just, when it's being put out to the public this way, mm-hmm. I can imagine that it raises questions. No, we'll ask that question. Pierre? Oui, merci. Donc, ça va chercher un petit peu ce que la conseillère Chan a mentionné. Là, je sais qu'on doit aller avec le plus bas soumissionnaire. On avait quand même fait une analyse, puis les coûts avaient été estimés à 390 000 $. Donc, les autres arrivent avec des coûts aussi élevés, bien, tu sais, ça me fait un peu sursauter, hein. Mais je me dis que le plus bas soumissionnaire est quand même dans la fourchette de prix qu'on avait estimé. Donc ça me rassure au niveau fiscal. Sauf que j'espère qu'on va être capable finalement de boucler la boucle là, puis d'avoir un centre Méridite conforme et sécuritaire et prêt, dans le fond, à opérer sur une base annuelle sans encore être obligé de revivre le jour de la marmotte avec plusieurs situations qui arrivent, qui fait en sorte que ça force la fermeture pour des dates variables. Donc, avec le mur, avec la moisissure, avec la COVID, avec tout ça, c'est que c'est difficile d'entretenir puis de siéger sur la fondation du Centre Méridite, la fondation Chelsea. Puis, tu sais, d'être là, d'être créatif pour avoir des revenus, puis garder les finances à flot. Mais quand on se fait toujours faire des situations où on est forcé de fermer, donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment là, que Sanocil Canada Inc. va être capable de faire le travail que le dernier contracteur n'a pas été capable de faire. Merci. Et la prochaine résolution, c'est pour les surveillances. Alors, on veut une compagnie qui va faire une bonne surveillance. Monsieur McFall avait soulevé son main. Oui, mais peut-être mentionner une des raisons pourquoi il y a tellement une différence de prix. C'est que Sanocil, lui, il avait déjà visité les lieux la première fois qu'on a fait la soumission. Donc, il connaît assez bien le Centre Meredith. Puis en plus de ça, mais lui, il travaille dans ce domaine-là, que pendant les deux autres soumissionnaires, c'est des contracteurs général. Donc, ce n'est pas leur domaine d'expertise. Donc, c'est une raison pour qu'il y ait peut-être une grosse différence de prix. C'est... Ça va? Alors, en faveur? Okay, merci. Et relié à ça, c'est l'octroi du contrat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux correctifs au Centre Meredith. Alors, il y a le MSEI, Multisciences Expertise Inc., a procédé à la préparation des plans et devis pour les travaux correctifs. La municipalité a demandé à la firme MSEI de soumettre un prix pour les services professionnels de surveillance des travaux. Alors, il a soumis un prix de 93 704 $, incluant les taxes pour la surveillance. Le service des travaux publics recommande. De compagnie. Alors, c'est un montant net de 81 500 $. Alors, en conséquence, il est proposé par le conseiller Guénard, appuyé par le conseiller Leduc, et résolu que le conseil octroie le contrat pour les services professionnels de surveillance des travaux correctifs au Centre Meredith au montant de 93 704 $, incluant les taxes à la firme MSEI Multisciences Expertise Inc.
particulière question. En faveur? En faveur. Ouais. Merci. Autorisation des travaux supplémentaires pour la mise en place d'un système d'éclairage au terrain de baseball du centre-village. Alors, entendu que des divergences entre les dessins d'atelier et les plans d'ingénierie concernant les raccords entre le contrôleur et les lampadaires ont été relevés suivant une inspection en chantier le 8 décembre. Tandis que les professionnels ainsi que l'entrepreneur ont convenu ensemble que l'alimentation prévue initialement en ingénierie ne correspond pas à l'alimentation minimale requise pour les équipements choisis. Ce changement nécessite des modifications au niveau des conduites et du disjoncteur pour permettre une alimentation conforme des lampadaires. Un changement est également requis au niveau des bases de béton pour permettre l'installation du contrôleur en conformité. Aucun montant a été autorisé pour les travaux supplémentaires. La compagnie Meg Lamb Construction Inc. a soumis un prix de 8 635,98 sous, incluant les taxes pour ces travaux. Alors, c'est conforme, c'est recommandé par la firme Cosmel Corp et notre département de travaux publics. Alors, ce sera payé par l'accident non affecté. En conséquence, il est proposé par conseiller Ganald, appuyé par conseiller Jubin. Et résolu que le conseil autorise les travaux supplémentaires pour la mise en place du système d'éclairage du terrain de baseball pour un montant de 8 635,98 incluant les taxes à la compagnie Meg Lab Construction Inc. Question. En faveur? En faveur. Subvention. Octroi d'une aide financière à la Fondation Chelsea. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'aide de la Fondation Chelsea pour l'aider financièrement en cette période de fermeture du St. Meredith due à la COVID-19. Excuse-moi. Le comité consultatif des finances a recommandé d'octroyer un prêt d'un montant approximatif de 95 000 $ à la Fondation Chelsea pour payer le solde de la marge de crédit sans intérêt est remboursable dans un délai maximum de 5 ans. Tandis que le comité consultatif de finances a également recommandé d'allouer une subvention de 50 000 à la Fondation Chelsea, même d'excédent non affecté, pour lui permettre de continuer de payer ses dépenses de fonctionnement et maintenir en place les emplois essentiels. Alors, on a parlé de verser ça en deux versements. Avec le deuxième versement avec le dépôt du programme d'activité extérieure et virtuelle, on a déjà reçu cette programmation. Alors, c'est dans l'intérêt de la municipalité qu'une aide soit apportée à la Fondation Chelsea dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19. C'est fait partie de la subvention qu'on a reçue du fédéral et de Québec aussi pour nous aider comme municipalité. Alors, il est proposé par le conseil Chan, appuyé par le conseil Ganard, et résolu que le conseil octroie un prêt d'un montant approximatif de 95 000 à la Fondation Chelsea afin de payer, comme j'ai mentionné, la marge de crédit et allouer une subvention d'un montant de 50 000 $ à la Fondation Chelsea, à même l'excédent non affecté, versé dès l'adoption de la présente résolution du Conseil. Alors, question. Kim?
Ah oui, je voulais juste dire merci à la Fondation de Chelsea. Ils ont réagi vraiment vite lorsqu'on leur a demandé pour le programme d'activités extérieures et virtuelles. Donc, merci beaucoup pour toute la coopération. Merci. Alors, en faveur? En faveur. Merci. Confirmation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Alors, c'est une résolution demandée par Québec pour. On a reçu une demande de l'argent pour le PAVL. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés. Alors, le formulaire de reddition des comptes a été dûment rempli. Excuse-moi. Alors, le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes pour le projet. Et si c'est jugé conforme, le ministère va faire un versement aux municipalités. Alors, la résolution fait partie de cette reddition de comptes. Oups. En conséquence, il est proposé par Jean-Paul Leduc, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que le conseil approuve les dépenses du montant de 113 875,51 pour les travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Question. En faveur? En faveur. Mandat pour les services juridiques à la firme d'avocats RPGL pour les années 2021-2022. La municipalité désire centraliser la majorité de ses services juridiques avec une seule firme d'avocats afin de réaliser des économies en demandant une banque de temps de 100 heures à un taux préférentiel afin de couvrir les honoraires des avocats afférents aux consultations demandées par la municipalité et ce pour l'analyse des contrats, des résolutions, des règlements pour les avis juridiques verbaux et écrits. La firme d'avocats APGL a déposé une offre de service à titre de conseiller juridique à la municipalité de Chelsea. Alors, en conséquence, il est proposé par Jean-Paul Leduc, appuyé par Pierre Guenard, et résolu que le conseil octroie le mandat pour les services juridiques à la firme d'avocats APGL pour les années 2021-2022. Selon les termes et conditions dans l'offre de service. En faveur? En faveur. En faveur. Merci. Alors, divers, c'est l'acquisition d'un lot, le 24 chemin au Homestead. Alors, c'est pour les plans de vie pour l'aménagement du sentier communautaire. Il y a certaines intersections qui, il y a des risques pour la sécurité des usagers en raison de l'angle prononcé. Alors, la municipalité a retenu les services professionnels de URXP afin de déterminer un plan de réaménagement pour les intersections du sentier avec la route 105. Alors, c'est nécessaire d'acheter une parcelle de terrain d'une parcelle de 46,5 m² située au 24 chemin Homestead. Alors, c'est avec cette acquisition, ça rend la propriété au 24 chemin Homestead. Alors, c'est dérogatoire au niveau de la superficie. Alors, suite à cette dérogation mineure autorisant la réduction de la superficie de l'eau, la propriété sera assujettie aux dispositions applicables quant à la superficie maximale de plancher autorisée pour le bâtiment principal
est autorisé pour les bâtiments secondaires. Alors, ce dernier consent à la vente de la dite parcelle pour une somme de $2,325. Et on va mettre en place une clôture de bois du même type qui sera utilisé le long du sentier pour séparer la propriété et de planter une haie de cèdre sur le terrain. Alors, il est proposé par le conseiller Maguire, appuyé par le conseiller Chen. Il résolut que le préambule si haut soit est partie intégrante par la présente résolution et que le conseil demande de procéder à l'acquisition du lot 6407-269 pour un montant de $2,325 plus taxes. Question. En faveur? En faveur. En faveur. Et la subvention que j'ai mentionnée va aussi aider pour la sécurité à cette intersection avec la route 105. Modification du calendrier de conservation des documents de la municipalité de Chelsea. Alors, selon la loi sur les archives, il y a une loi qui encadre la gestion des documents de toute municipalité. Alors, le calendrier, c'est un document officiel et que toute modification doit être approuvée et signée par le conseil municipal avant d'être soumise au BANQ pour approbation. Alors, en conséquence, c'est proposé par Jean-Paul Leduc, appuyé par Kay Kerman, et résolu d'autoriser le directeur général, secrétaire trésorier, à signer la modification du calendrier de conservation présenté ce jour et de la soumettre telle que déposée à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Question? En faveur? En faveur. Adopté. Alors, je vais demander à M. Leduc de prendre les résolutions pour les ressources humaines. Merci. Et permanence de Mme Sheena Negal-Niano au poste de responsable au greffe. Attendu que le 4 août 2020, par le biais de la résolution 232-20, la municipalité embauchait Mme Sheena Niano à titre de responsable au greffe. Attendu que Mme Niano est entrée au poste le 24 août 2020, attendu que l'évaluation déposée par le directeur général et secrétaire trésorier est favorable et qu'il recommande la permanence de Mme Niano. En conséquence, il est proposé par le ou la conseillère Kimberly Chan, et appuyé par le conseiller Pierre Guénard, est résolu que sur la recommandation du directeur général et secrétaire trésorier, Mme Miano est confirmée à titre d'employée permanente comme responsable au greffe et qu'elle puisse de tous les bénéficiaires consentis aux employés cadres de la municipalité en date du 24 février 2021. Alors, question? Non, en faveur? En faveur. Félicitations, Mme Miano. Oui. Et pour votre travail. La deuxième permanence de Mme Ghislaine Grenier au poste de responsable des ressources humaines, attendu que le 4 août 2020, par le biais de la résolution 233-20, la municipalité embauchait Mme Ghislaine Grenier à titre de responsable des ressources humaines. Attendu que Mme Grenier est entrée en poste le 31 août 2020, attendu que l'évaluation déposée par le directeur général et le secrétaire trésorier est favorable, qu'il recommande la permanence de Mme Grenier. En conséquence, il est proposé par le ou la conseillère Kay Kerman,
et appuyé par le conseiller Simon Jubarne, est résolu que la recommandation du directeur général et secrétaire trésorier, Mme Grenier, soit confirmée à titre d'employée permanente comme responsable des ressources humaines et qu'elle jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés cadres de la municipalité en date du 3 mars 2021. Alors, encore, merci beaucoup et félicitations. On est très, très heureuse avec l'équipe. Alors, en faveur? En faveur. Merci. Ajustement aux conditions de travail de M. Antoine Paquette-Béron et M. Danick Chamberlain. Attendu que Marc-Antoine Paquette-Béron est à l'emploi de la municipalité à titre d'ingénieur junior depuis le 19 novembre 2018. Attendu que M. Chamberlain est à l'emploi de la municipalité à titre d'ingénieur junior depuis le 4 mars 2019. Attendu que M. Paquette-Béron satisfait aux exigences et passé avec succès les examens de l'Ordre des ingénieurs du Québec, attendu que M. Chamberlain a satisfait aux exigences et est en voie d'obtenir sa certification à l'Ordre des ingénieurs du Québec, attendu que l'évaluation de tous les postes des employés municipaux en présentement en cours, attendu que le directeur général et secrétaire trésorier recommandent au conseil d'octroyer un bonus salarial de 8 % à M. Danick Chamberlain sur confirmation de réussite des examens à l'Ordre des ingénieurs du Québec jusqu'à ce que son poste soit évalué. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kay Kerman et appuyé par la conseillère Greg McGuire est résolu que la recommandation du directeur général du secrétaire un boni de salaire de 8 % sera octroyée à M. Paquette-Béron date du 4 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Simon? Est-ce que le fait d'avoir des ingénieurs certifiés maintenant qui sont membres à part entière de l'Ordre des ingénieurs du Québec fera en sorte qu'on aura moins de requêtes d'ingénierie à l'extérieur? Absolument. C'est exactement que le point qui, je pense, est soulevé, qu'on peut maintenant signer et on n'aura pas besoin d'aller à l'extérieur pour des ingénieurs. Pardon? Du tout. Mais parce c'est... que dans le passé, en fait, je pose la question parce que dans le passé, on avait des ingénieurs comme ça. Et puis, ça n'a jamais empêché le fait qu'on allait à l'extérieur pour des consultations externes ou des avis externes de firmes d'ingénierie. Puis, je pense particulièrement au sentier communautaire dans le quartier 1, là où il y a un glissement de terrain. On voulait le faire à l'interne et l'ingénieur qui était en place à l'époque a refusé catégoriquement de se prononcer sur le projet qui devait aller de l'avant et donc on est allé à l'externe et ça a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le fait d'avoir des ingénieurs à l'interne vont nous empêcher d'aller à l'externe? Dans les documents qui étaient envoyés avec cette résolution, il décrit les économies. Et un exemple, c'est les services professionnels au niveau des contrats externes pour des travaux de réfection. Les honoraires professionnels d'ingénierie pour les plans et devis sont environ 50 000 $ pour la réfection d'une route. Une autre économie, service professionnel relatif à la conduction des travaux en régie, remplacement des ponceaux, bris d'aqueduc. Et il parle aussi d'une économie de 3 à 10 000 par ponceau ou honoraire professionnel. Et en 2020, environ 60 ponceaux ont été changés sur le territoire de la municipalité. Alors, je pense, je ne peux pas dire que c'est tout. On ne sera jamais appelé à aller à l'extérieur, mais il y a des exemples qui étaient mentionnés où on peut le faire maintenant à l'interne. Mais peut-être M. McFall aura plus de précision là-dessus. Mais c'est sûr qu'avec le simple volume des travaux à faire dans les années à venir, que deux ingénieurs ne pourront pas faire cette charge-là non plus. C'est sûr que dans le futur, sur des dossiers spécifiques, on va avoir besoin d'aller à l'externe quand même. Alors, les postes vont être classifiés en 2021, mais c'est juste dans l'intérim, cette prime de salaire. Alors,
Ouais, c'est juste pour que le monde comprenne bien, c'est qu'il va y avoir une évaluation des nouveaux postes en tant que certifié ingénieur dans une charte. Si on ne fait pas réévaluer leurs postes avec les salaires qu'ils font, on pourrait les perdre comme qu'on serait encore un training ground pour former des ingénieurs ou qu'une fois qu'il y a un ingénieur, qu'on les perde à d'autres municipalités. Puis je pense que le 8% aussi nous sauve de l'argent à cause de son ingénieur. Ce ne sera pas, je pense, Simon, dans tous les cas, mais dans tous les cas que c'est possible qu'ils peuvent se prononcer, qu'ils peuvent se prononcer. Ils m'ont confirmé lorsque j'ai eu des discussions avec eux en tant que président des ressources humaines qui étaient pour faire, sauver des coûts à la municipalité, puis même avec mes discussions avec M. McFall. Mais on ne peut pas garantir que dans tous les cas, peut-être des fois, on va avoir besoin d'aller à l'externe pour différentes circonstances. So, je ne veux pas me limiter à dire comme quoi qu'ils vont toujours faire toutes les... peut-être que ça explique un peu plus la façon pourquoi on parle de 8%. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect aussi que c'est des employés, une fois qu'ils deviennent plus certifiés, plus compétents, lorsqu'on fait des réévaluations de postes, que ça va partir probablement le 8% à disparaître, puis que les postes vont être réévalués au moment où ils vont être faits. Je ne sais pas si ça l'aide. D'autres questions? Alors, en faveur? En faveur. En faveur. Nomination de M. Nicolas Falardeau à titre de directeur de service de l'urbanisme et du développement durable. Attendu que M. Nicolas Falardeau occupe le poste de directeur des services de l'urbanisme et du développement durable par intérim depuis le mois de 1er octobre 2018. Attendu que l'évaluation déposée par le directeur général et secrétaire trésorier est favorable et qu'il recommande la nomination de M. Falardeau au poste de directeur des services de l'urbanisme et du développement durable. En conséquence, il est proposé par le conseiller Simon Joubert et appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu de nommer M. Nicolas Falardeau au poste de directeur au service de l'urbanisme, du développement durable, rémunéré selon la grille salaire des employés cadres et ce, à compter du 1er mars 2021, avec une période probatoire de 6 mois. Question? J'aimerais prendre juste remercier, je pense, Nicolas pour le travail, puis le féliciter dans sa promotion d'avoir le poste permanent. Je suis très content. Alors, oui, merci. Alors, en faveur? Juste un petit commentaire aussi. Ayant siégé au comité d'urbanisme et de développement durable depuis les 7 dernières années, voire presque 8 maintenant, et à titre de président du comité d'urbanisme et de développement durable, je pense que c'est une excellente nomination. Nicolas a fait preuve de professionnalisme et d'un travail exemplaire au cours des dernières années. Puis c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accepte naturellement la nomination de Nicolas dans ce poste-là. Alors, félicitations. Merci. Merci. OK. Alors, en faveur? En faveur. Merci. Adopté. Oh. Juste une seconde. J'ai perdu mon écran. Voulez-vous que je le... Non, c'est bien. Congédiement de l'employé numéro 599. Attendu que depuis son embauche, l'employé 599 a commis de plusieurs manquements aux politiques internes de la municipalité à taux d'absentéisme élevé et que son rendement de travail ne correspond pas aux attentes de la municipalité malgré de nombreuses rencontres d'avertissement et de suspension. Attendu que l'employé numéro 590 a récemment commis un manquement à la politique de la municipalité pour laquelle elle a déjà été sanctionnée. Attendu qu'une analyse en discussion, les membres du conseil ont soit l'opinion que l'employé numéro 5 doit être congédié. En conséquence, il est proposé par le conseiller Simon Joubert, appuyé par le conseiller Greg McGuire, et résolu que
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Le Conseil décrète le congédiement de l'employé numéro 199 en date du 8 mars 2021. Le Conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier ou son remplacement de faire parvenir à l'employé la copie conforme de la présente résolution accompagnée de la lettre de congédiement. Donc, les projets ont été soumis à l'intention des membres du Conseil. En faveur? En faveur. En faveur. Alors, conseiller Jouban, s'il vous plaît, pour les résolutions pour l'urbanisme. Simon, vous êtes en muet? Désolé. Alors, attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 36 chemin de Kirk Ferry a présenté à la municipalité une demande de dérogation mineure afin de permettre une construction à l'intérieur de la bande riveraine, soit à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux, alors que le règlement de zonage numéro 636-05 ne le permet pas. Alors, attendu que la demande est aussi à l'effet de permettre une remise située à 4,48 mètres de la ligne avant du terrain, au lieu de 4,5 mètres et à 2,09 de la ligne latérale du terrain au lieu de 4,5. Un abri d'auto situé à 4 mètres de la ligne avant du terrain au lieu de 4,5 mètres. Un abri d'auto situé à 0,44 mètres de la ligne latérale du terrain au lieu de 4,5 mètres. Une remise située à 2,02 mètres de la ligne latérale du terrain au lieu de 4,5 mètres. Un bâtiment principal situé à 2,35 mètres de la ligne latérale du terrain au lieu de 4,5. En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par Kickerman, et résolu que le préambule ci-haut soit et appartient intégrante de la présente résolution et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 36 chemin de Kirk's Ferry afin d'autoriser une construction à l'intérieur de la bande riveraine dans les, et tous les éléments mentionnés préalablement. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kerr. On vient de le faire. Alors, c'est fait, désolé. Okay. Alors, on y va. On va, désolé. Des questions? Question. Jean-Paul? Je me répète. Non, c'est bon. Question? Ça va? Alors, en faveur? En faveur. En faveur. Dérogation mineure. Pour le 237 chemin du relais, alors le propriétaire a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'une piscine et de son aménagement à moins de 4,5 mètres de la ligne arrière de la propriété, alors que le règlement de zonage ne le permet pas, et de permettre une distance de 1,57 mètres et 1,5 mètres entre la piscine creusée et la clôture au lieu de 2 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage. En conséquence, il est proposé par Jean-Paul Leduc, appuyé par Kay Kerman, et résolu que le préambule CO soit une partie intégrante de la présente résolution. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. En faveur. Alors, dérogation mineure pour le 20 chemin Davidson. Le propriétaire a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre une superficie maximale de bâtiment secondaire de 191 mètres carrés au lieu de 95 mètres carrés tel que stipulé au règlement. En conséquence, il est proposé par Kickerman, appuyé par Jean-Paul Leduc. Il résolu que le préambule CO soit et à partie intégrante de la présente résolution. Question, commentaire. Alors, en faveur? En faveur. Alors, attendu que le propriétaire de l'immeuble connu, ou en fait le propriétaire de l'immeuble situé au 126 route 105, a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une galerie à 4,52 mètres de l'emprise de la route 105 plutôt que 10 mètres, d'un escalier à moins de 10 mètres de l'emprise de la route 105, d'un escalier à 1,65 mètres de la ligne latérale du terrain plutôt que 2,5 mètres,
Le tout tel que stipulé au règlement numéro 636-05. En conséquence, il est proposé par Jean-Paul Leduc, appelé par Kay Kerman, et résolu que le préambule CO soit et est partie intégrante de la présente résolution. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. Dérogation mineure, empiètement dans un milieu humide et dans sa bande de protection 31 chemin des Hauts-Bois. Attendu que que le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 31 chemin des Hauts-Bois présentait à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure visant la construction d'une entrée charretière passant au travers d'un milieu humide à l'aide de ponceaux dans la bande de protection de 15 mètres, alors que le règlement ne le permet pas. Attendu que le comité consultatif des ressources naturelles a effectué une recommandation lors d'une réunion tenue le 26 octobre 2020 et a recommandé d'approuver la demande en greffant les conditions suivantes. Aucune machinerie ne sera tolérée à l'intérieur de la zone humide ou dans la bande de protection lors de la construction de la résidence. L'entrée charretière devra respecter une largeur de 9 mètres maximum telle qu'indiquée à la demande. Les conditions accompagnant la demande de dérogation mineure visant l'installation d'une clôture dans la bande de protection du milieu humide déposée lors de la rencontre du 19 août restent les mêmes. En conséquence, il est proposé par Jean-Paul Leduc, appuyé par Pierre Guénard, et résolu que le préambule CO soit et est partie intégrante de la présente résolution et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une entrée charretière passant à travers d'un milieu humide. Question, commentaire? J'aimerais demander le vote, Madame Green, de mon côté. Moi aussi. Le vote est demandé. Alors, pour la dérogation mineure? Pour. Et contre? Contre. Alors, je donne ma vote pour. Alors, c'est adopté à la majorité. Alors, c'était ramené au conseil par la demande de le comité de ressources naturelles et le conseiller, M. Guénard. Alors, merci pour cette considération. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, projet quartier Mérédith, modèle J avec garage simple. Alors, en conséquence, il est proposé par Kickerman, appuyé par Jean-Paul Leduc, est résolu que le préambule ci-devant soit la partie intégrante de la présente résolution. Questions, commentaires? Alors, en faveur? En faveur. En faveur. En faveur. Alors, PIA est pour le modèle J avec garage simple pour le projet quartier Mérédith. Il est proposé par la conseillère Kerman, appuyé par le conseiller Guénard. C'est ça qu'on vient de faire, non? Pardon, Karen? Désolé. My God. Ladyfield, désolé. Alors, PIA pour le 140 et 140 chemin Ladyfield. En conséquence, il est proposé par Pierre Guénard, appuyé par Jean-Paul Leduc, et résolu que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution et le conseil approuve en vertu du règlement numéro 681 relatif au plan d'implantation d'intégration et PIA sur le lot 6 289 868 et 6 289 871. Aussi connu comme le 140 et 144 chemin Ladyfield. Questions, commentaires? Alors, Kim? Oui, j'avais juste une question. La façade puis le derrière du bâtiment sont très similaires, c'est ça? So the part facing the parking lot and the part facing the street are both kind of pedestrian friendly. They're both inviting users to walk in from the car side and from the foot side. Is that right? If you look at slide 7.2b, is that what those red lines are indicating in the dans le schéma? Je vois pas les lignes rouges que tu mentionnes. Il y a des boîtes, c'est écrit comme boîte numéro 1 en brun. À quelle page est-ce qu'on est?
On est à la page 284. OK. OK, puis si tu regardes le bâtiment d'en haut, comme le premier dessin, puis là, tu regardes la boîte juste à côté, sur le côté droit, la boîte brune, là, puis il y a, ouais, une rouge dessus. Donc, ça, c'est la façade, c'est ça? Ça, c'est la façade, en effet. Okay. Donc, si on descend maintenant à la page 286, là, on voit l'arrière aussi, donc sont presque exactement pareils, c'est ça? Oui, bien, en fait, les deux, ça donne sur le celui-là, c'est... Donnez-moi sur le stationnement, à l'arrière, sur... Sur le stationnement, c'est ça. C'est ça, OK, parfait. Donc, c'est les deux côtés accessibles, c'est ça? Oui, exactement. Question? Alors, en faveur? En faveur. En faveur. En faveur. Réglementation. Alors, adoption du règlement numéro 1165-20, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05, disposition modifiant la grille de spécification de la zone CB233 afin de permettre une micro-distillerie dans cette zone et modifiant la disposition particulière 43. Attendu que la municipalité de Chelsea a adopté le règlement de zonage afin de diviser le territoire en zones en vue de contrôler l'usage des terrains et des bâtiments, ainsi que l'implantation, la forme, l'apparence des constructions. Alors, l'objectif est d'autoriser une micro-distillerie dans cette zone située entre les chemins Paddon, Old Chelsea et Scott, où des usages commerciaux et de restauration sont déjà permis. Et donc, attendu que le conseil juge opportun de procéder à cette modification de zonage. En conséquence, il est proposé par Kay Kerman, appuyé par Pierre Guénard, et résolu que le règlement 1165-20, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 636-05, modifiant la grille des spécifications de la zone CB233 de permettre une micro-distillerie dans cette zone et modifiant la disposition particulière 43, soit et est par la présente adoptée. Question, commentaire? Greg? Je veux juste être certain de bien comprendre. Si quelqu'un peut me rappeler, on a passé le premier projet de règlement en octobre. L'avis de motion, c'était le 6 octobre. Oui. Le premier projet, c'était le 6 octobre, la consultation publique le 9 décembre, l'adoption du second projet le 12 janvier et avec toute l'annonce pour la tenue d'un registre après. Donc, ça prend trois adoptions dans oui. un... Oui, alors c'était depuis octobre que c'est devant le public, ou devant le conseil, excuse. Merci. Pierre? Oui, moi, ma question est dans l'écriture du règlement, là, à la page 293 et 294 de nos documents. C'est parce que là, on parle de micro-brasserie et de micro-distillerie. Mm-hmm. Là, j'aimerais juste que ce soit Clinet est précis que là, on ne commencera pas à faire les deux. Là. On ne donnera pas les deux usages parce que là, ce qui arrive, c'est que c'est dangereux. Là. C'est que les bâtiments sont contigus un à l'autre. Mm. Puis là, ça veut dire que dans la même zone, on pourrait avoir un qui fait de la micro-distillerie, puis hop, là, son voisin, il fait de la micro-brasserie parce que là, dans le règlement, ça l'écrit. Moi, c'est juste ça. Là. Monsieur McFall, avez-vous... C'est parce que la microbrasserie, on a dit que c'était Douglas, chemin Douglas. Mm-hmm. Là, ici, ce serait une micro-distillerie. Mais là, moi, je ne veux pas me ramasser avec deux microbrasseries et une distillerie. Mais c'était vraiment toute la question qu'on avait discuté déjà, que c'est à l'échelle plus cottage industry, c'est touristique. Alors. Oui, Madame Green, ça au niveau là, de l'usage de la micro-distillerie, on a eu une belle discussion, puis c'était correct. C'est juste que moi, en lisant le texte de l'article, entre autres à l'article numéro 2,
on parle de micro-distillerie et micro-brasserie. Ou ça dit micro-brasserie ou micro-distillerie? C'est parce que jamais jusqu'à date, on a usé le terme de micro-brasserie. Puis là, présentement, dans l'écriture du règlement sur lequel le conseil est appelé à voter ce soir, c'est écrit à deux ou trois endroits. Là, Monsieur Gonnard, c'est ça qui était sur en consultation. C'est ça le projet de règlement qui était présenté lors de la consultation et présenté au conseil depuis octobre. Mais juste pour être clair, là, il n'y a pas de plan pour une microbrasserie au moment où on se parle. Non. C'est simplement qu'un va main dans la main avec l'autre et le personnel municipal juge que s'il est acceptable de permettre une micro-distillerie, il est acceptable de permettre une micro-brasserie. Et donc, c'est la recommandation que le personnel municipal nous avait fait à l'époque. Et donc, on est allé en consultation avec ce langage-là. Parce que c'est ce qui était censé au sens de la réglementation pour notre personnel et ça a été la recommandation du personnel. Voilà tout. Mais il n'y a pas de projet sur la table pour une microbrasserie présentement. À moins que je me trompe, c'est la même chose à Douglas, il y a les deux. Absolument. Oui. D'autres questions? Pour encadrer, si vous regardez la... Alors, en faveur? En faveur. En faveur. Adopté. Et le fond vert. Alors, attendu que la municipalité possède des objectifs et des orientations de développement durable, de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques dans le plan d'urbanisme, le plan d'action de développement durable, plan directeur du transport actif. Alors, en conséquence, il est proposé par Kay Kerman, appuyé par Jean-Paul Leduc, et résolu que le conseil approuve la création du programme Green Fund. On va être. Alors, c'est, je pense, quelque chose que le conseil est très fier de présenter. C'est basé sur nos politiques de transport actif et de développement durable. Alors, les résidents peuvent soumettre un projet et la politique décrit comment les fonds pourraient être divisés. Et c'est aussi pour des projets que le conseil juge opportun aussi. Alors, je vous invite d'amener vos projets. Alors, questions, Pierre? Oui. Au comité des loisirs, on a un fonds aussi discrétionnaire pour nos organismes communautaires. Puis, lorsqu'il y a des demandes qui sont faites, bien, ça vient au comité. Là, ici, ça relève, dans le fond, du service d'urbanisme, mais c'est quel comité qui va voir analyser les demandes qui vont être faites et sur quelle grille d'analyse? Quelle grille d'analyse sera utilisée pour critérier, dans le fond, les demandes? Si vous regardez dans le note de brefage, il y a... Le personnel de l'environnement avec loisirs et à l'interne, il va faire l'analyse puis il va faire une recommandation au conseil. Alors, ce n'est pas avec un comité ou l'autre parce que ça touche à plusieurs comités, loisirs comme ressources naturelles, comme urbanisme. Alors, le personnel va faire un premier tri puis présenter ça au conseil pour décision. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est bien expliqué et c'est basé sur d'autres municipalités, villes qui ont ce même fonds. Alors, c'est pas quelque chose que c'est juste fait de rien. Alors, c'est une première. On va apprendre, je pense, avec le temps. Alors, en faveur? En
En faveur. Pardon, j'avais une question, Madame Green. Aussi, je n'avais pas vu maintenant. Just a small one. C'est écrit de façon générale, la contribution financière pourrait être octroyée comme suit. Puis on parle des projets de 5 000 et moins. La valeur remboursable, c'est jusqu'à 75 %. Puis après ça, on parle des projets de 5 001 à 25 000 $ Puis le montant pourrait être octroyé, le montant octroyé pourrait être représenté jusqu'à 50 %. Mais après ça, il y a une troisième ligne, puis c'est écrit la contribution financière maximale par projet est de 15 000. Oui. Donc, ça veut dire, donc, il y a des projets qui pourraient être soumis jusqu'à 30 000 puis pourraient recevoir le 50 % de... Oui. OK. Non, j'ai reçu une question d'un des résidents qui m'a demandé comment ça se fait que ça va de 5 000 à 25 000 puis après ça, on parle de 15 000. Alors, c'est 50 % de la valeur. Oui. Mais il n'y a pas de restriction. Donc, un projet pourrait être soumis jusqu'à 30 000 $ c'est ça? C'est ça que j'ai compris. OK. Donc, je ne sais pas si ça ferait du sens, mais peut-être changer le montant dans cette ligne-là juste pour... OK. On peut vérifier cette ligne-là. Et il y aura aussi des projets que le conseil peut mettre de l'avant où ça peut être jusqu'à 100 % pour les projets du conseil. Si. Alors, la contribution maximale, c'est de 15. Alors, même si il y a un projet de 25 000, ça peut, la contribution peut être 15 000, mais c'est pas une it's not a given. Yeah. Que c'est 50 % du projet. But there's no maximum limit for which citizens or organizations can submit a project. Is there a maximum value for the project that can be submitted? 25,000. I think what we're trying to do is that it's not all given to one, that there can be so 25. Yeah, that's what I understood it to be. Right. Okay. Yeah. And okay. So people can come in or organizations can come in with a project worth $25,000 and they can get up to 50%. Great. Yeah. In grants from the fund. That's right. Okay. Great. Thank you. Other questions? Alors, en faveur? En faveur. Alors, demande de désignation des chemins des bois francs et du grand boisé dans le projet Marc Dubé. En conséquence, il est proposé par Pierre Renard, appuyé par Kay Kerman, résolu que le conseil approuve la demande de nommer des chemins projetés, chemin du grand boisé, chemin des bois francs et que la résolution soit envoyée à la Commission de la toponymie du Québec pour approbation. Question? J'ai quelques réserves par rapport à ça parce qu'il existe déjà des chemins qui portent ces noms-là dans la municipalité de Pontiac et l'école du Grand Boisé est située juste à côté. Alors, je me demande s'il ne pourrait pas y avoir confusion à un moment donné avec trois noms Grand Boisé desservis par le même corps policier. Mais c'est ça, c'était étudié et ça va être envoyé à l'association. Mais apparemment, nos services de police et d'incendie trouvaient qu'il n'y avait pas de confusion. Alors oui, j'avais pensé la même chose. Just as you said, it goes to the MRC, then they send it to Quebec in order to approve it. I mean, there's many layers that it goes through, but of course, the first stop is the agency to make sure that there's no other streets of that name in our whole MRC. Mm-hmm. Well, there is one in Pontiac, but the 911 said that they didn't feel that it would be a problem. So the staff have done their due diligence in that way, but Pontiac is not part of our. It is, yeah, it is. But part Pontiac of the, isn't part of our. The municipality of Pontiac. Our 911.
Yeah, well, no, the municipality of Pontiac is. So according to the resolution, as it's written, then our service of 911 said that they felt that they were, les deux chemins seront à une bonne distance géographique alors que ça pouvait être utilisé. So, Greg? Moi, j'ai la même préoccupation que conseiller Joubarne quand la gare boisée. Il se passe quelque chose, on appelle la police. On va venir tout de suite à Grand-Boisé. C'est-tu l'école ou c'est le chemin? Il y a tellement d'autres, non? Je veux dire, je ne veux pas être difficile, mais c'est une problématique. Puis à Gatineau, on l'a vu, le TIC, lorsqu'il y a eu la fusion des villes, il n'y a pas un chemin qui est nommé le même qu'un autre. Là, puis, je veux dire, ça peut être une problématique. Puis je ne vois pas pourquoi on prendrait ce risque-là. C'est juste... OK. Est-ce que le bois franc, vous êtes à l'aise avec? Moi, oui. Alors, peut-être on enlève Grand-Boisé. J'entends que c'est... Il faudrait vraiment avoir une discussion avec l'école, avec la commission scolaire. Puis je pense que je demanderai à nos services de policiers d'y penser un peu plus. Mais ma question est, est-ce qu'on accepte bois franc, puis on enlève de la résolution Grand-Boisé, puis on revient avec un autre nom ou avec les confirmations telles que demandées? Alors, ou est-ce qu'on enlève la résolution complète? Monsieur Guénard, une suggestion. Oui, excusez-moi. C'est parce que là, conseiller McGuire, si on demande l'avis, dans le fond, du service de police puis d'incendie, c'est ce que Mme Green a mentionné tantôt. Il y a une vérification qui a été faite préliminaire au niveau de nos services d'urgence, puis eux, ils ne voyaient pas de problème. Mais je comprends la proximité linguistique là, entre les deux. Mais non, on dit chemin Grand-Boisé, puis l'autre, on dit école Grand-Boisé. Fait que c'est... Mais tu sais, dans le secteur où je travaille, c'est l'école des cépages, mais il n'y a aucune rue des cépages autour. C'est les rues Saint-Émilion, Dupinot, Cabernet, tout ça. Mais c'est pas... Il y a assez de questionnements. Peut-être le promoteur peut juste revenir avec un autre nom. Alors, je sens qu'il y a la majorité du conseil qui ne sont pas à l'aise. Alors, mais ma question, est-ce qu'on retire la résolution au complet, puis on revient avec au mois d'avril? Moi, je pense qu'on serait mieux de retirer la résolution au complet que d'accepter un nom, parce que si jamais il décide de se donner une nouvelle orientation au niveau de son secteur, puis qu'il veut renommer ses deux nouvelles rues avec quelque chose d'autre, mais là, il faudrait vérifier ça. Alors, le conseil est d'accord d'enlever la résolution? Does it delay anything for Mr. Dubé? It does. Often with the post office. The post office is the one who wants the name of the... But I don't think a month would make a difference. Okay. If we're not comfortable with it. Okay. Nothing. Travaux publics, Mr. McGuire. Mm-hmm. Adoption du règlement 1114-21. Règlement modifiant la limite de vitesse sur un tronçon de la route 105 entre le chemin Sherrin et le chemin Pauley. Attendu que la municipalité de Chelsea désire modifier la limite de vitesse sur un tronçon de la route 105, tandis qu'un avis de motion a été donné à une session ordinaire du Conseil tenue le 2 février à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption et le projet a été présenté et déposé. J'ajouterais un autre attendu que le comité consultatif des travaux publics et infrastructures a recommandé le changement à l'unanimité. En conséquence, il est proposé par le conseillère Jean-Paul Leduc, appuyé par Kay Kerman, et résolu que le règlement numéro 1114-21, règlement modifiant la limite de vitesse sur le tronçon de la route 105 entre le chemin Sherrin et le chemin Pauley, soit et par la présente adopté. Can I just make a comment? There has been a lot of traffic, email traffic about this resolution. Yes, email traffic. And there's
it seems like in some ways this is the tip of the iceberg with regards to changes that might happen on 105. And there are a number of people who have reservations about this change because it will then potentially encourage the changing of reduction of speed for the rest of 105. And there are a number of people who are in favor, and there are a number of people who are not in favor. And this the change from 70 to 50 to 70 seems also to be problematic for some. So, and I understand all sides to it, but I also recognize that we've been given this recommendation not just from Travaux Publics or from the committee, but also as from the engineers who have done the study. And so I'm voting in favor of it, but I do it with reticence, knowing that behind it there's a what might be a tornado behind this resolution. Behind well, accepting. As I noted in my preamble, that the report does recommend 50 from Juniper, yep, where it is 50 to Highland. So, but we're doing it one step at a time, and this is just for the sight lines around Highland. I understand that, Mayor Green, but I also recognize that from the emails that I've been getting, that there are a number of people who have reservations, yep, for that whole strip being, yep, changed. Mm-hmm. Fair enough. Okay. D'autres questions? I'd also, j'aurais les mêmes commentaires. J'ai reçu beaucoup de courriels, moi aussi, des deux côtés de la question. Puis c'est quelque chose qui passionne vraiment les gens qui sont passionnés, qui trouvent que c'est une erreur de réduire la vitesse puis donner un faux sentiment de sécurité, tandis que la route a été conçue pour faire du 90, puis là, tout d'un coup, on va être rendu à 50. Je comprends ce point de vue-là. Moi aussi, je comprends aussi que, comme vous l'avez dit, Madame la mairesse, qu'il y a des études qui ont été faites clairement sur les lignes de vue. Et puis, les ingénieurs nous disent qu'il faut absolument faire ce changement-là pour la sécurité de l'intersection. Je suis aussi d'accord avec Madame Kerman que ça soulève la question au complet de la 105. Je pense que c'est important pour les gens de savoir où on s'en va avec ça, qu'il va y avoir une consultation, que ce n'est pas tout à fait clair qu'on va faire les mêmes changements ailleurs sur la 105, mais qu'on veut, on veut entendre le point de vue des gens sur cette question-là. Ça, ça va avoir lieu au printemps. Et puis après qu'on aura entendu ce que les gens ont à dire, le comité des travaux publics et puis le conseil sera en mesure de prendre une décision. Merci. Okay. D'autres questions? Alors, en faveur? En faveur. Ah. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1185-21 et avis de motion. Je présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente de ce conseil, le règlement portant numéro 1185-21 intitulé Règlement modifiant la limite de vitesse sur un tronçon du chemin Cecil à la hauteur du parc municipal et des terrains de soccer sera présenté pour adoption. Le but de ce règlement est de modifier la vitesse sur un tronçon du chemin Cecil à la hauteur du parc municipal et des terrains de soccer. Question. Alors, on encourage M. Boucher de venir au comité de travaux publics pour ses préoccupations aussi. Alors, en faveur? C'est un avis de motion. Oh, excuse-moi, c'est l'avis de motion. It's getting late. On y arrive. Oui. Autorisation pour l'installation de deux panneaux d'arrêt à l'intersection des chemins Musée et Service. Attendu que suite à plusieurs demandes de citoyens concernant la sécurité de l'intersection, une visite des lieux et une analyse ont été effectuées par le service des travaux publics et des infrastructures. Attendu que le service des travaux publics et des infrastructures recommande l'ajout de deux arrêts à l'intersection des chemins Musée et Service. Attendu que le comité consultatif des travaux publics et infrastructures a recommandé l'installation de ces arrêts pour raison de sécurité. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kay Kerman, appuyé par Jean-Paul Leduc
et résolu que le conseil autorise l'installation de deux panneaux d'arrêt sur les chemins Musy et Service. Question. I just would like to make a comment that these stop signs used to be there, and I don't know when they were removed, but I'm happy to see them come back. I think it'll make it a safer situation on Musy. En faveur. En faveur. Au revoir. Le renouvellement d'un membre du comité consultatif des travaux publics des infrastructures, M. Robert Arnold, attendu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement d'un membre, attendu que M. Arnold accepte un nouveau mandat. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kakerman, appuyée par Jean-Paul Leduc, et résolu que le mandat de M. Robert Arnold soit renouvelé, et ça pour un terme additionnel et successif de 2 ans. Question. En faveur? En faveur. En faveur. Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. Tandis que la municipalité de Chelsea a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal, attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière. En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Paul Leduc, appuyé par Kakerman, et résolu que le conseil de la municipalité de Chelsea autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme. Alors, cela, c'est avec les autres municipalités de la MRC, je comprends. Ce n'est pas juste Chelsea, mais Québec demande que les MRC amènent un plan par toutes les municipalités. Et on travaille avec le service de sécurité publique pour cela aussi. Alors, question? En faveur? Oui. Demande d'appui financier pour l'acquisition et le déplacement de l'ancienne gare de train Cascade. Attendu que l'ancienne gare Cascade fut déménagée par M. Homer Cross lors de la fermeture du réseau de chemin de fer canadien-pacifique et que l'immeuble est resté sur le terrain pendant plusieurs décennies sur le chemin Cross-Loop à la jonction de la 105. Attendu que le terrain de la famille Cross a été vendu à un développeur et le développeur veut en faire don à la municipalité à condition qu'elle soit déplacée d'ici la fin mars 2021. Sinon, elle sera achetée par un résident et déplacée sur un terrain privé. Attendu que la gare, qui est une infrastructure historique d'une superficie d'environ 450 pieds carrés, c'est ça? Pourrait constituer une halte repos pour les utilisateurs du sentier et qu'il s'agit de la seule gare de Chelsea encore conservée sur le territoire, attendu que le coût du déplacement de la gare n'a pas été prévu au budget municipal de 2021, tandis que le dossier a été présenté au comité des loisirs le 28 janvier et que les membres ont voté en faveur pour déplacer la gare sur un site sécurisé afin que le bâtiment historique soit préservé. Attendu que certains organismes tels que Société historique de la vallée de Gatineau, Voie verte Chelsea et Sentier Chelsea Trails ont émis des lettres à titre de soutien pour la conservation de cet immeuble historique à Chelsea. Attendu que le dossier a été présenté aux membres du conseil lors d'une rencontre le 16 février et que l'option de relocaliser la gare en 2 étapes à l'aide d'une grue mécanique le toit déplacé séparément du bâtiment a été retenu, attendu que le coût des travaux est estimé à 23 530 $ plus taxes. Attendu que les membres du conseil recommandent d'allouer une aide financière au montant de 3 000 $ à même l'excédent non affecté pour déplacer la gare. Attendu que l'organisme Voie verte Chelsea s'est engagé à verser une contribution financière par le biais d'une levée de fonds afin d'appuyer la municipalité pour combler le manque à gagner dans son effort pour la conserver. En conséquence, il est proposé par Kakerman et appuyé par Jean-Paul Leduc et résolu que le conseil appuie la demande d'aide financière au montant de 3 000 $ pour le déplacement de la gare Cascade du 17 chemin
Crosslow vers un site municipal où la gare sera conservée? Question. Alors, c'est encore les amis de Voie Verte sont très généreux et ils ont dépassé même leur cible. Et les coûts sont plus élevés que prévu aussi. Alors, je pense que ça va être bientôt, mi-mars, que ça va être déménagé. Je pense aussi que c'est important de noter que l'emplacement qui a été choisi, en fin de compte, c'est sur le chemin Mill, juste au nord du chemin Mill. Ça ne veut pas dire que ça va être l'emplacement final, mais il y a plus de chances que ce soit là qu'ailleurs. Alors, on va l'amener là pour l'instant. Oui. Est-ce que ça va être du côté nord ou du côté... du côté est ou ouest du sentier, dans le fond? C'est nord-est. Nord-est. OK, parfait. Ouais. OK. Ça me sur ce point-là, mais c'est, on m'a convaincu. On m'a rassuré que c'était bien le côté nord-est. OK. Je connais l'affaire du ski ce week-end, c'est ça que je regardais. Enfin, je ne sais pas trop où. OK, merci. Alors, en faveur? En faveur. En faveur. Adopté. Le prochain, Greg, veux-tu le faire? C'est pour la nomination d'un membre sur le comité ou je peux le lire si vous voulez, ça ne me dérange pas. Ça. Comme tu veux. Ben, c'est toi qui es le... Je vais y aller. Le président, à moins que c'est toi qui veux être nommé, là, je te propose. Nomination d'un nouveau membre au comité du sentier communautaire, attendu qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre afin de combler un poste vacant. Attendu que Mme Véronique Tardif a soumis sa candidature en tant que membre. Attendu que le comité du sentier communautaire a effectué une recommandation lors d'une réunion tenue le 18 février. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyée par Kay Kerman, et résolu que Mme Véronique Tardif soit nommée membre du comité du sentier communautaire, et ça pour un terme de 2 ans. Question. Bonjour, j'aimerais savoir si toutes les candidatures ont été prises en considération dans le cadre de ce processus-là. Monsieur McGuire, vous voulez répondre? Oui. Oui. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on n'a pas interviewé tous les candidats. On a vu que le comité, que le conseil avait émis désir de vouloir augmenter la représentation du sud de la municipalité, en particulier le quartier 1, et puis le désir d'augmenter la représentation des femmes au sein du comité. On est allé chercher, on a recruté des gens qui remplissaient ces besoins-là. Et puis, quand on a trouvé quelqu'un qui a rempli les deux, on a interviewé cette personne-là, Mme Chan et moi, et ensuite on l'a interviewée au niveau du comité. Puis on s'est dit, si cette personne-là qui remplit deux des demandes qu'on voulait combler était acceptable ou était recommandée par le comité, on n'irait pas plus loin. Si c'était accepté par le conseil, on n'irait pas plus loin. Si par contre, au niveau du comité, au niveau du conseil, ce n'était pas le cas, à ce moment-là, on retournerait voir d'autres candidats. D'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir pensé à la représentation du quartier 1. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, je dois vous dire que je suis un petit peu perplexe quant à l'approche de ne pas, à tout le moins, avoir donné suite aux gens qui ont envoyé leur candidature et d'avoir strictement arrêté votre choix basé sur le sexe. Et donc, c'est là où j'ai un problème. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a besoin de plus de représentation au niveau des femmes sur les différents comités au niveau municipal. Mais je pense que c'est un terrain très glissant en 2021 que de dire qu'on ne prend qu'en considération seulement que les femmes ou seulement que des hommes pour un poste donné. Et puis, dans ce processus-là, je pense que ça n'a pas été fait de façon transparente. Je pense que ça a été fait de façon arbitraire et je suis d'avis que chaque candidat aurait à tout le moins dû être avisé et leur candidature aurait dû être à tout le moins analysée pour déterminer si tous avaient
les compétences pour occuper ce poste-là. Et ensuite de ça, à talent égal, on peut choisir de prendre un homme ou de prendre une femme pour l'équité au niveau des sexes. Mais dans ce cas-là, le fait d'avoir exclu complètement un sexe, et je pense que ça a été fait de façon arbitraire pour éliminer certaines personnes, je ne pense pas que ça a été fait de façon transparente et je suis très perplexe par rapport à cette approche-là. Et soit dit en passant, c'est la première fois qu'on prend une approche comme ça qui est basée strictement sur le sexe pour nommer un représentant au niveau des comités municipaux. Je voulais préciser que ce n'était pas juste sur le sexe de la personne, mais aussi leur résidence dans quel quartier. On avait des gens qui venaient de autre que du quartier 1, et puis on a choisi de ne regarder... Est-ce qu'il y avait d'autres personnes du quartier 1? Il y avait une autre personne du quartier 1 qui n'était pas une femme. Il y avait des personnes en dehors du quartier 1. Je pense que c'est très dangereux là, de commencer à faire les critères comme ça sans même passer vraiment tous les candidats. En fait, puis ce qui me met le plus à terre dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas averti les candidats. On n'a même pas pris la peine de dire merci pour vos intérêts au niveau de l'affaire municipale. Merci de vouloir vous impliquer, mais nous avons choisi un autre candidat. Puis de l'avoir fait de façon transparente. Dans ce cas-là, c'est même pas le cas. On n'a même pas envoyé un suivi quant à la candidature pour dire merci, j'ai bien reçu votre CV. C'est absolument non transparent et non acceptable pour une municipalité comme la nôtre en 2021. Le comité de gouvernance a déjà parlé plusieurs fois pour la question de parité. Je comprends, c'est pas pour. Contre votre positionnement, mais on cherche dans les comités, et même M. McGuire a donné la présidence d'un comité à Mme Chen pour avoir plus de femmes. Absolument d'accord, Mme la mairesse, mais il doit y avoir une certaine transparence dans le processus municipal. Et si c'est ce qu'on veut faire, et puis qu'on veut baser nos choix sur le sexe d'abord et avant tout, j'ai pas de problème avec ça. Puis d'ailleurs, on est très bon pour le faire. Regardez vos conseils, il y a trois femmes et la mairesse est une femme. Puis je suis hyper progressiste à ce niveau-là. Mais je pense que ça doit être fait de façon transparente d'abord et avant tout. Et dans ce cas-là, je continue de penser que ça n'a pas été fait de façon transparente et ça a blessé des membres de notre communauté de ne même pas avoir reçu un attendu de réception. Oui, alors, je pense qu'on doit refaire nos devoirs à ce niveau-là. C'est absolument inacceptable, intolérable. Et puis d'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est oui, je suis d'accord au niveau de la gouvernance, faisons-le, c'est bien correct, mais est-ce qu'on a une politique en place présentement qui dit qu'on va discriminer selon le sexe? Non, mais si c'est ce qu'on décide de faire, prenons la décision au conseil. Le conseil parle par résolution, faisons-le par résolution. Mm-hmm. Tu sais, je pense que dans tout ça, ce qu'il faut, c'est être transparent et de s'assurer d'effectuer des suivis qui sont appropriés. Jean-Paul, and then Kim, and then Kate. Jean-Paul? So I know the intent was to get somebody from District 1 and maybe to, you know, we had the discussion, I think, openly that we wanted to balance it out with, you know, having more females maybe on committees or younger people also, so to diversify our committees. It's not out of not transparency, I think it's a miss on all of council not to establish the rules and regulations, because we say things, but we don't. I think, Simon, I agree with you, we should put something in the resolution going forward, because even if we are having the discussion, I'm sure residents are saying, well, how come these people are being selected and what's the process, right? How do I get onto a committee? And seriously, if you look at the Comité d'Urbanisme, I think this is the only one that's really well structured, where, you know, there's rules and regulations. Maybe
we didn't have, like last council, we didn't have all these committee in places. Maybe it's time now, if we're going to be moving along, keeping these committees, to bring people in, that we create a selection process. I think would be, I think, an advantage for everybody, and not maybe, you know, just use this as an example to move forward and be progressive and trying to find solutions and say, well, it's not because it was, we didn't want to be transparent. I think the intent was right. I think it's just a question now of what we said. Can we put it on paper? And now that people, when they apply for these positions, and again, I agree with Simon, and I don't usually always do it, where we should, at least when people are applying for positions, to tell them, you know, give them an advice that we're not being interviewed or so on, you haven't been, you know, whatever, we should inform them, at least as a municipality. I think that's what we're saying. I think everybody wants to do that. It's just a question of doing it now. So how do we do it? How do we put it on paper? So I'll leave it at that. Kim and then Kay. Yeah, so just a few points with Ms. Tardif. Like the criteria was not based on her sex, first and foremost. So it was really looking at getting someone in District 1, and then it was looking at someone qualified. And so she has, Simon, could I finish? J'ai pas parlé, mais je trouve que ça ridicule parce que Dan no, Dutrisac... No, 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 okay, please. I'm going to get to my point. I'm just... Yeah, so in consideration was really looking at Ward 1, really listening to what you had said multiple times and really seeing the merit in getting someone in the South. And then getting somebody that looking at the files moving forward, what we're actually dealing with, that had dealt a lot with concerns... In group settings, concerns on committee work, and she had this as well, and then the fact that she was a woman. And then we proceeded. Simon, let Kim answer or finish. And Simon, elle s'adresse à moi, j'aimerais avoir un droit de réponse à tout le monde. No, it's not addressed to you, but yeah. So just in general, this was the kind of three criteria. So it really started off with the Ward 1. As a selection, and then really professional and experienced on this type of work. And then that she was a woman was good too, because it was helping with the gender parity. I agree with you. I've worked in federal government for years. I agree that with the process, even I had questions. I've had questions since the beginning, since I've been on council, on how you join certain committees. And I think it is a point that we can talk to and address at the governance committee. I think you're completely right. It's also when we have kind of renewal of members on certain committees that just go on for a certain number of years, it's the same thing. And residents are asking questions. And I think there is a lot of merit in putting in place something transparent that people can depend on and that is kind of consistent across the board. I also had a few questions for Mr. McFaul was there in the process. We did ask him if this was kind of following procedure and it worked. But the other question that I had too was, can you send the candidates emails before, like thanking them for the for submitting a CV or for expressing interest? Definitely, but before that wasn't done. Agreed. And this can be done in the future. And again, it can be done across all committees, right? So if that's something we speak to at the governance committee, I definitely think it's an excellent point. Thank you for submitting, you know, and I really do think we should acknowledge that. And the second point would be, before the resolution came to council, can we actually speak to this publicly? And that I wasn't clear on. Like, could you speak about who you interviewed and who you spoke to, and where is the line there of what can be addressed and what can't in an email to a resident? Would have been my question. I'm going to go to Kay and then back to Simon. Kay, you had... When we're hiring somebody or when we're interviewing for a planning committee, the order in which we do it is we want to try and have people who are in all the different wards. And if there's a lack of residents in Ward 1, for example, then that's what we're looking for first and foremost. Of course, I guess first and foremost is we want somebody who's qualified, somebody who has some sort of background. But the ward is what we're looking at first. Then, you know, we look at who's qualified, and then the next thing is what ward they're in. And regardless of what, I mean, in that case, gender would be third, although it's certainly on the radar, right? With regards to resolutions, we don't
we don't make any declaration until after we've passed the resolution. Like we might tell the person who has been hired, but we tell them that it's not until the resolution that they actually can come to a meeting and start. Mm-hmm. Right? And do you not let the other people, the other candidates know only after the resolution is passed? Yeah, after the resolution is passed. If I can, before I give Simon la parole, just say that the reason there is a process for the CCUDD, it's because it's the only committee that's required by law and it's a lot more structured. But again, the previous council had wanted all of council on the selection committee, and we've evolved, and it is a choice of council who is on that selection committee. I believe it's the two councillors on the committee plus staff who know the requirements, the technical requirements, and help to have a well-rounded committee on that. And perhaps the governance committee would establish through resolutions an approach that could be across the board for the future for committees. But I know the committee on governance is working on a policy on parity. There is one at the level of the MRC, which is being studied by all municipalities. We haven't adopted our own policy on equal representation of men and women where possible. So, Simon. Thank you. So the reason why there is a selection committee for the planning committee members is because Barbara Martin, my colleague from the last council, put a lot of importance on transparency and the importance of considering all candidates and not only friends of power. And so this is the reason why we went forward with a very strong selection process for the committee. And in this context, in response to what Kim was saying, it is not true that the competence of all candidate coming from Ward 1 were taken into consideration. In this context, only one person was passed in the interview. And I'll bet you that if I would ask for a compte rendu of this interview, I wouldn't find any notes. So it was not a transparent process at all. It was, and Councillor McGuire told me very, very clearly in an email that I have that the reason why this person was choose was because she was a woman and no one else was taking into consideration. And so this excluded some very, very solid candidate. And I'm not saying that it's not a good thing. I'm not saying that it's that she's not the right candidate, and I think it's right that we're looking for equality. But when the due process was followed and that transparency was there, and in this context, it was just decided like this that it was this person that was the right fit for the position, and that's what happened. And too often, in too many committees, we're choosing our friends, we're choosing people that we know. And well, okay, don't make really? This face. I had many discussions really? With you on this. And I think we should aim to be more transparent in 2021. Okay, il y avait Pierre, puis après, on va passer à une décision. Pierre, vous êtes sur muet? Oui, j'ai abaissé ma main, mais j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Désolé. C'est ça. Moi, comme président du comité des loisirs, à chaque fois qu'on a des nouveaux candidats, on vérifie l'entièreté des candidats qui sont devant nous. Puis présentement, au niveau de la parité, je ne veux pas faire la morale à personne, mais ça, on a 5 femmes puis 3 hommes sur le comité, incluant Kickerman et moi comme élus. Donc, la représentation homme-femme au niveau des élus est 50-50, puis au niveau des membres, bien, c'est 5 femmes, 3 hommes. Puis les gens aussi, le critère numéro 1, c'est vraiment d'avoir des gens de tous les secteurs.
puis aussi, idéalement, qui n'ont pas d'allégeance avec un groupe communautaire particulier ou quelque chose comme ça pour être capable d'être neutre dans leurs décisions ou dans leur prise d'analyse là, quand il y a des choses à analyser. Donc, c'est ça. Puis, moi aussi, j'aurais préféré un processus un peu plus transparent. Merci. Alors, on procède à un vote ou on peut aussi retirer la résolution si c'est souhaitable? J'aimerais demander de retirer la proposition et qu'il y ait un processus transparent qui soit fait pour ce, dans ce contexte-là. Alors, Greg? Je demande le vote. OK. Alors, le vote est demandé. Alors, on devrait voter sur et alors pour? En faveur. Contre? Et je vote pour la personne. Mais je recommande qu'on on mette en place, on demande au comité de gouvernance de prendre en note tous les échanges qu'on a eus. Merci. I sure hope so. Alors, merci. On passe à la sécurité publique et Monsieur Le Duc. OK. Départ d'un pompier, M. Simon Saint-Jacques, attendu que le directeur du service des incendies, M. Charles Étier, a reçu une lettre annonçant la démission du pompier Simon Saint-Jacques dès le 7 janvier 2021. Entendu que M. Saint-Jacques est à l'emploi au service de sécurité incendie depuis 2018. En conséquence, il est proposé par la conseillère Kay Kerman et appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil accepte la démission de M. Simon Saint-Jacques et remercie pour les années passées au service de la communauté de Chelsea. Question? En faveur? En faveur. En faveur. Retour d'un congé sans solde, lieutenant Jonathan Léveillé. Attendu que le lieutenant Léveillé est en congé sans solde depuis le 8 juin 2020, accepté par la résolution du conseil numéro 196-20, attendu que le directeur du service incendie, M. Etier, a reçu une demande écrite datant du 15 janvier 2021 de la part de M. Léveillé indiquant qu'il désire écourter son congé sans solde d'un an. Attendu que dans l'entente conditionnelle de travail des pompiers à temps partiel de la municipalité de Chelsea, valide du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, rien n'empêche le retour de M. Léveillé. Attendu que le directeur du service incendie, M. Étier, recommande au conseil d'accepter cette demande. En conséquence, il est proposé par le ou la conseillère Kay Kerman et appuyé par le conseiller ou la conseillère le conseiller Pierre Guénard a résolu que le conseil accepte le retour de M. Léveillé dès le 10 mars 2021. En faveur? En faveur. En faveur. Adopté. Adoption de la mise à jour du schéma de couverture de risque en 3. Attendu que la vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale ou toute régie interne municipale chargée de l'application des mesures prévues à la schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois à la fin de chaque année financière, soit le 31 mars, une mise à jour du schéma de couverture risque année 3. Attendu que le service incendie de Chelsea a validé le rapport. En conséquence, il est approuvé par le conseiller ou la conseillère Kay Kerman et appuyé par le conseiller Pierre Guénard et résolu que le conseil adopte la mise à jour du schéma de couverture de risque. Alors, juste pour noter, si vous regardez le rapport, les activités qui ne sont pas complètes, c'est dû au COVID. Alors, je pense qu'ils ont bien remplir leurs tâches. Alors, exemple, les visites à les maisons pour la prévention et tout. Question? En faveur? En faveur. En faveur. OK. 10D, acceptation du rapport d'activité 2020 du service de sécurité incendie de Chelsea.
Attendu que le schéma de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC de la colline de l'Outaouais a été adopté par le ministre de la Sécurité publique en date du 27 août 2010. Attendu que le schéma de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC de la colline d'Outaouais fut révisé et approuvé le 4 octobre 2018 par la MSP et la MRC. Attendu que le plan en œuvre de la municipalité de Chelsea a été adopté par la même occasion. Selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, entendu que le rapport d'activité fut préparé par M. Charles Lessier, directeur du service étendu, et distribué à chacun des membres du conseil. En conséquence, il est proposé par le ou la conseillère Kay Kerman et appuyé par le conseiller Greg McGuire est résolu que, sur l'agrément de M. Etier, directeur du service incendie, le conseil accepte le rapport d'activité 2020. Là encore, c'est un rapport très complet et j'espère que ça va être affiché sur notre site web pour les résidents. C'était encore dans une année de COVID, ils ont dû faire des ajustements comme tout le monde. Mais je trouve que ça montre très bien les services qu'ils donnent à nos résidents. Est-ce qu'il y a une question, commentaire? En faveur? En faveur. En faveur. Et alors, levée de la session, c'est proposé par Kim, appuyé par M. Leduc, et résolu que cette session ordinaire soit levée. En faveur. En faveur. Merci. Merci au conseil. Merci, Sheena, M. McFall. Merci tout le monde. Et merci au tout le monde. Merci, merci Kay. Oui. Et l'autre. Au revoir. Bonsoir. Hey. OK. Bye. Bye.